vois tous ces fans, je vois le cinéma, et je suis absolument émerveillée. Ça me touche vraiment profondément. Je dirais que c'est un film d'aventure, qui est très libre et qui... D'ailleurs, c'est un film qui plaît beaucoup à la jeunesse, hein, un peu partout dans le monde. J'ai fait beaucoup de festivals et c'est toujours des gens entre 15 et 25 ans. Il y en a même qui sèchent l'école pour venir voir le film. Si longtemps après, ça prouve que le film, quand même, a une espèce de jeunesse en lui et qu'il parle la même langue qu'aujourd'hui, quelque part. Alors, c'est une aventure, bien sûr, assez géniale. Comme d'habitude, il n'y avait pas de scénario au départ. Jean-Luc avait pour principe d'écrire au fur et à mesure, c'est-à-dire il écrivait le matin, il avait les textes parfois 10 minutes avant de tourner. Il fallait apprendre parfois pas mal de dialogues par cœur, et tout en étant très naturel, bien sûr. Et c'était pas toujours facile. Et Jean-Paul Belmondo, comment ça s'est passé sur le tournage? Super bien. On a fait quelques fêtes quand même. Je vous raconte la fête là qu'on a fait, mais ça vous ennuie. Peut-être que vous êtes pressé de voir le film. On a fait la fête là, avec deux journalistes venus de Paris. Et puis, c'est pas mal, on a un peu déconné. Donc, on a vraiment mis l'hôtel en miettes. Ma ligne de chance. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je préfère ta ligne de hanche. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.